pense que pour moi, tout ce que le chef de l'État, tu as toujours promis, tout ça a toujours bien passé, il tient toujours à ses promesses. Et que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un jour merveilleux pour nous. Et nous le remercions infiniment. Et que je pense qu'on ne peut que prier le bon Dieu de continuer de lui donner d'autres années pour qu'il continue à faire une nouvelle génération, ce qui est en train de se passer aujourd'hui pour nous autres. Toute la famille de 1990 est là. Hein? La famille de Benjamin Massir est là, la famille d'Infidé est là, et la famille de Stéphane Tato que nous allons enterrer samedi est là. Donc nous sommes vraiment tous contents. Je crois qu'il y a une personne qui, pendant son discours, qui a dit que c'est le travail. Il faut qu'on continue à travailler. Ce n'est pas le fait de se lever le matin et demander qu'on a récompensé tel, pourquoi pas nous autres. Il faut travailler. Que j'ai encore, parce qu'en travaillant, ils donneront beaucoup de choses encore, beaucoup de choses encore à notre pays et ils seront récompensés. En 30 ans, si je voulais un appartement, à mon niveau, je l'aurais construit. Donc celui qu'on m'offre, je le prends.